Bonjour à tous. Vous êtes nombreux à avoir vu la révélation des pyramides, aussi connue sous le nom de l'ère d'épée. Je l'ai réalisé en 2009. Il a été vendu dans plus de 22 pays et vu par plus de 80 millions de personnes à travers le monde. Mais pour moi, ce film appartient au passé. Je me suis depuis totalement désolidarisé de l'informateur secret à cause de divergences graves. Et si je suis ici pour reparler de ce film, c'est justement parce que le youtubeur Squeezie a fait en décembre une vidéo en pompant quasiment intégralement une séquence de ce film et qu'il s'est fait aussitôt tomber dessus avec une telle violence qu'il a dû faire machine arrière et s'excuser sur Twitter. Pour certains, lutter contre l'RDP est devenu le combat de leur vie, mais plus prosaïquement, le moyen de grappiller de la notoriété ou de générer du clic lucratif. En vendant de la pub, en faisant des appels aux dons, et avec en fond de message, circuler, il n'y a rien à voir. Eh bien si, non seulement il y a à voir, mais en plus il y a à réfléchir. Et c'est bien plus important qu'on pourrait le penser. L'histoire, c'est quelque chose sur lequel on s'appuie pour justifier l'état du monde. C'est-à-dire qu'on dit voilà, avant c'était terrible, c'était la monarchie, la dictature. Regardez, aujourd'hui on est bien, on a la République, la démocratie, tout va bien. On s'appuie beaucoup sur l'histoire pour asseoir une situation. Et finalement, c'est un peu une sorte de réécriture de l'histoire qui est en train de se jouer. 10 ans après avoir réalisé LRDP, je fais volontiers mon mea culpa. LRDP était trop sensationnel et pas vraiment construit comme un documentaire archéologique classique. Et le tout en seulement 20 ans avec ceci. Je peux comprendre que ça agace, mais il faut tout de même pas exagérer. On va remettre la révélation des pyramides dans son contexte. En 2006, quand je suis allé chercher de l'argent pour réaliser ce film, j'ai rencontré des producteurs et des chaînes de télévision et tout le monde m'a répété que le film était trop dense, qu'il y avait trop d'informations, que le temps moyen d'attention du spectateur était de 45 minutes. Bref, tellement de choses que je suis un peu parti sur la défensive. C'est pour ça que j'ai décidé de fictionner la narration, de prendre une voix de femme, de faire une enquête criminelle et de choisir un informateur secret. Le vendeur international voulait que ça claque et la suite, vous la connaissez. Mais déjà avec du recul, cette histoire d'informateur secret partait mal. Pourquoi? Parce que soit ces informations sont connues par les spécialistes et tues, et alors on est en mode conspiration, soit ces informations ne sont pas sues par les spécialistes et alors on est en mode incompétence. Alors qu'en réalité, c'est cette autre manière d'aborder le sujet qui dérange. Le plus agaçant peut-être dans cette histoire, c'est que ce travail a été entrepris par un réalisateur qui vient de la pub et du clip et non par un archéologue. Mais si je n'avais pas fait comme ça? Le film aurait-il fait découvrir ce sujet au grand public et déchaîner les passions? Les gens intelligents font la part des choses, et en ce sens, ce film est un bon indicateur de l'ouverture d'esprit du spectateur. Car si LRDP a fait autant de vues, ce n'est pas parce que le public adore les contes de fées, comme le prétend l'archéologue Jean-Pierre Adam, mais tout simplement parce que les hypothèses conventionnelles ne satisfont pas la raison. Comme je le répète depuis 2012, je ne cherche pas à ridiculiser les archéologues, ni personne d'ailleurs. Si on trouve que j'ai été irrévérencieux avec l'archéologue Jean-Pierre Adam, c'est à la hauteur de son mépris farouche et de sa verve assassine envers tous ceux qui ne pensent pas comme lui. Durant une des deux interviews qu'il nous a données dans le cadre de l'RDP, nous avons abordé la question du géopolymère, cette technique qui permet de reconstituer des blocs de pierre à partir d'une pâte minérale, un peu comme le béton, a été mise au point par le professeur Davidovits il y a plus de 20 ans. Il avance son emploi dans l'Égypte ancienne. Renseignez-vous sur cette hypothèse et vous verrez qu'elle n'a rien de farfelu. Voici ce que Jean-Pierre Adam avait répondu face caméra lorsqu'on lui avait posé la question. Là, je vous répondrai volontiers que mes connaissances en matière de troubles mentaux sont extrêmement ténues et que je ne peux pas répondre à une telle aberration. On se sert souvent du traitement qui aurait été réservé à ce monsieur pour accuser LRDP d'être anti-scientifique, mais on parle rarement de tous les autres intervenants. On essaie de décrédibiliser ceux qui émettent des doutes, on reprend certaines formulations, et c'est comme ça qu'en pinaillant sur des détails, on laisse de côté tout ce qui dérange. Moi, je trouve étonnant qu'à notre époque, et dans un pays comme le nôtre, on ne puisse pas émettre de doutes sur des hypothèses devenues vérité sans se faire insulter. Il y a encore une vingtaine d'années, la Grande Pyramide était un tombeau bâti par des esclaves. Aujourd'hui, c'est un cénotaphe, un monument funéraire bâti par des ouvriers. Preuve que les choses ne sont pas définitivement gravées dans du marbre. En fait, si on se rappelle les paroles de Guillemette Andreu... Même si on a l'impression que les égyptologues croulent sous la documentation, c'est vrai pour certaines époques, mais pour d'autres, comme l'Ancien Empire, on est quand même un peu dans le questionnement permanent. C'est pour ça que, finalement, les questions que vous vous posez, nous les posons encore, finalement. La construction des pyramides, on a bien des idées, mais on n'a aucun texte qui la raconte. Je me pose des questions simples. Par exemple, dans l'RDP, 6e prouesse, chose dont aucune théorie de construction ne rend compte, la Grande Pyramide possède en réalité 8 faces, car chaque côté est très légèrement creusé, comme vous le voyez sur cette image. Ce qui intrigue, c'est que la 2e pyramide du site de Gizeh, qu'on appelle la pyramide médiane, ne possède pas ce renfoncement des faces, alors que la 3e pyramide le possède, et la pyramide rouge, censée avoir été bâtie avant la Grande Pyramide, le possède également.
Quand on voit ça, on se dit, mais pourquoi ces trois pyramides ont-elles 8 faces et pas celle-ci? Si vous ne vous posez pas la question ou que ça ne vous paraît pas étrange, c'est justement parce que vous n'avez jamais réfléchi aux conséquences pour la construction. Et si c'est le cas, ce n'est pas parce que vous seriez stupide. C'est simplement parce qu'on ne vous en a pas parlé ou qu'on n'a pas attiré votre attention dessus parce qu'on n'a pas estimé important de le faire. Pourtant, selon les professionnels de la construction, ça complique énormément le chantier car il faut gérer ce léger enfoncement jusqu'à 140 mètres de hauteur en empilant près de 2 millions de blocs de pierre pesant en moyenne 1,5 tonnes. Maintenir cette base octogonale sur les 4 faces de l'édifice durant la construction, avec un contrôle au centimètre, pour ne pas dire au millimètre, représente une grande difficulté. Et je pense que si aujourd'hui on voulait construire la même forme géométrique avec les nouvelles technologies et les nouveaux instruments de mesure et de contrôle de la construction, ce serait un gros problème. Aucun n'est pareil, n'a la même hauteur ni la même longueur. Alors pourquoi? Je vous propose d'écouter l'explication de l'archéologue Jean-Pierre Adam. Ce n'est pas du tout une volonté préméditée, c'est un accident tout à fait mineur d'ailleurs, dû à la structure même de ces monuments. Crac, elle se tasserait et hop, 8 faces bordées d'arêtes rectilignes, magique. Je ne mène pas de combat secret contre la science, simplement je ne me satisfais pas de ce genre d'explication. Et je ne suis pas le seul. Mes questions sont d'ordre technique et non historique. Si demain vous aviez à construire une pyramide, vous ne feriez pas appel à un égyptologue, mais à un architecte et à une entreprise de construction. C'est ce que je fais pour tenter de comprendre. Soit on croit en Dieu et dans les extraterrestres, et là on peut imaginer toutes les formes de mise en place. Soit, comme moi, on reste terrien et puis on croit seulement en l'homme et on se demande comment il a pu faire. Je ne sais pas, je ne saurais pas faire, ça c'est clair. Une croyance, c'est lorsqu'on croit à une chose sans avoir besoin qu'on nous la démontre, sans preuve. Le but de mes films est le même que celui de la science. Sortir les gens de toutes sortes de formatages ou de croyances qu'on impose. Lorsqu'on affirme que la Grande Pyramide aurait été bâtie en 20 ans, par exemple, c'est selon moi une croyance. Et j'argumenterai dans ce sens-là dans le prochain épisode. Je ne suis pas là pour vous vendre du rêve, mais seulement le fruit de mon travail à ceux qui le souhaitent. Je ne suis pas là non plus pour vous vendre la vérité parce que je ne la détiens pas. Mais ce sujet me fait réfléchir depuis tellement de temps maintenant que j'ai refait un nouveau film. Il bouscule les hypothèses courantes et en propose une autre, que notre civilisation puisse avoir été beaucoup plus développée dans le passé qu'on le pense, qu'elle aurait pu être détruite par un cataclysme il y a 13 000 ans, mais qu'elle serait parvenue à transmettre un grand nombre de connaissances à travers la planète, ce qui expliquerait les similitudes observées entre des sites anciens. Évidemment, dit comme ça, ça peut paraître totalement improbable. C'est pour ça que le film est dense et dure plus de 2 heures. Il s'appuie sur des publications scientifiques, des vérifications techniques faites avec des outils performants et des recherches étayées. On peut se poser des questions, trop de questions, mais se poser les bonnes questions, c'est un art. Un art qui n'a pas de prix, mais que chacun peut s'offrir. Pour terminer cette mise au point, je ne fais pas non plus la promotion des extraterrestres, car comme je l'ai dit dans BAM... Parce qu'il faut que vous sachiez que dès que vous osez remettre en cause la version académique, on vous soupçonne aussitôt de croire que tout ça aurait été bâti par des extraterrestres. C'est ça ce que signifie ne pas sous-estimer la capacité humaine. Non, c'était fait à la main. C'est laisser entendre qu'on attend nécessairement une réponse extraterrestre à la résolution du problème des outils. Mais pour tout vous dire, bien que je ne m'explique pas les méthodes, je n'ai pas l'impression de me trouver face à des constructions réalisées par la technologie d'être capable de traverser l'univers. Pour ceux qui auraient envie d'aller voir BAM, c'est ici. Dans le prochain épisode, on va faire du fact-checking égyptologique et voir ensemble sur quoi repose l'hypothèse du tombeau bâti en 20 ans. En attendant, je vous invite à relativiser ce que vous croyez ou pensez vrai. Tout en suivant ce conseil prudent de Jean Rostand, avoir l'esprit ouvert n'est pas l'avoir béant à toute sottise.